Et yabla, bienvenue sur Extreme. Alors, on programme aujourd'hui découverte des circuits Superstar. Donc, c'est un jeu de voiture vu de dessus qui avait l'air super cool. J'ai voulu jouer en fait à l'époque où il était arrivé en accès anticipé et il y avait un problème avec mon pros, il était trop vieux, ça prenait pas en compte. Et bah, du coup, je m'étais même fait rembourser parce que au bout de la fin de la période, c'est toujours pas bon. Et plusieurs mois plus tard, ils ont mis un patch comme quoi c'était bon, c'était impeccable. Enfin, depuis, je l'avais pas racheté parce que j'attendais qu'il sorte pour de vrai. Donc là, si je dis pas de bêtises, il est sorti en fin 2021. Et en fait, ce week-end, il est gratuit en fait. Donc pour l'essayer, donc je me suis dit, bah, tiens, c'est le bon moment pour tester ça. Et puis, bah, s'il est cool, je le rachèterai pour jouer à le casque. Allez, go! Alors, on va faire un grand prix. Plusieurs coupes différentes, donc la Pitchino Cup, Super Light Trophy, Touring Car, Euro Track. Donc voilà, donc suivant les coupes, hein, c'est des voitures différentes. Donc à chaque fois, il y a des portraits là-dessus. Amateur, Pro-Am, Pro, Master, Superstar. J'ai aucune idée si c'est dur ou pas. Hein. On se met un amateur pour l'instant, on verra bien. Je pense qu'on va pouvoir choisir la couleur, là. Ouais, on prend celle-là qui est un peu verte. Donc la conduite est super simple, hein. Il y a accélération, frein, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc accélérateur, frein, direction, et c'est tout. Après, j'aurais peut-être pas dû me mettre non plus en difficulté la plus simple, hein. Peut-être dû monter un peu. Ça serait d'aller faire du mode en ligne aussi après. Il y a 5 tours à faire. Ah si, on voit un petit peu les traces de dérapage quand même sur la piste. Oh mince! C'est bon, je l'ai pas renversé. Quand on les renverse, on prend une pénalité. Ok, bon. Bon, je pense qu'on va pouvoir nous monter de 2 crans à difficulté sans trop de problème, mais je pense pas qu'on puisse en. Voilà. On va faire cette coupe en facile, puis c'est tout, quoi. Ça changera après.
ça accroche un peu plus. Hein. Aïe, oh là là. Tu veux faire quoi, Paul? Quand on monte en difficulté, je sais pas si les voitures sont plus rapides ou c'est juste les ennemis, les adversaires qui sont plus forts. C'est un peu la balade, hein. Facile. Je sais plus si c'était 3 ou 4 ou 5 des pistes, je m'en rappelle plus. Ah ouais, c'est bourre. Mais du coup j'ai ma caméra webcam qui est sur le... Je vais la bouger. Je vais la bouger un peu au-dessus en fait. Alors là ça devrait le faire. Sinon c'est vrai qu'ici on est sur le... La minimum, merde. Encore plus haut. Hop, allez. Présentement elle est bonne. Une physique réaliste entre gros guillemets mais...
bien ça. Du coup, il doit rester une course, je pense. C'est bizarre qu'il va en contour aussi quelque part, enfin un compteur de vitesse. Oh, elle se tourne. Yeah. Ok. Y'a quoi? Super Light Trophy, Touring. Bon, il fait un ordre, donc à chaque fois il y a 4, 4 circuits à chaque fois. Là. À se traîner, en ligne, contre la montre. Double Gear Time Attack, je sais pas ce que c'est. Je peux faire quoi là, du coup? Ah d'accord, on peut, ok, on peut partir là-dessus. Ah, changer le numéro. Et là, changer la... Ah, c'est cool, ça. Ah, pivoter la couleur. Ah. Ah ouais, du coup, je peux complètement faire, par exemple... Ouais, comme ça. Et là, faire noir. Ok, donc tiens, on peut tout. Le pilote aussi, on peut le changer. Ouais, bon, on va pas trop pas se mettre dans là-dedans. Allez, on va faire le deuxième Grand Prix. Hein.
Ouais, j'avais fait un peu de mode en ligne quand même pour tester. D'accord? En tout cas, ça speed plus que les autres voitures. Hein. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis en difficulté plus élevée ou pas, mais. C'est juste la voiture qui est différente et qui est plus rapide, c'est possible aussi. Cool cette voiture. Je sais pas ce que ça fait quand on change de niveau et qu'on débloque des nouvelles couleurs ou ça. Peut-être que c'est comme ça qu'on débloque le mode Gear. J'aime beaucoup graphiquement, je trouve super mignon ce jeu. Un petit peu large. Hein. Et t'as ramené quoi en fait là? D'accord.
Il faut les sortir maintenant ou... Et s'accrocher le deuxième. D'accord. Merde, je regardais si j'ai passé le niveau. Ah, mais ça se trouve, les niveaux, c'est sur chaque voiture différente. Le cercle qui bouge plus. Bon. Ouais. Dernière.
Ok. Ah, du coup, j'ai un nouveau là, ça. Un nouveau casque. Donc, c'est ça, en montant les niveaux, on débloque des trucs. Est-ce qu'on tenterait pas un petit mode en ligne, non? Comment ça marche? Seul en ligne. Ouais, on peut jouer contre le. Oh, solo en ligne, c'est quoi? C'est en. Contre le time attack de quelqu'un en fait. Va le faire dans 5 minutes. Ah non. Le match après, on verra bien après quoi. Avec 15 circuits quand même. Avec 15, sachant qu'en plus il y a des. Et en reverse quoi. Bon, sauf le Val qui. Certains GP qui du coup ils sont. Ouais, celui-là il est pas en. Et au Tcherno. Bon, par contre, c'est mal foutu là, cette histoire de trucs en ligne là qu'il faut attendre après. Un petit peu. Vas-y, qu'elle est cool, j'aime bien. Le meilleur tour en combinant chaque semaine les circuits et les voitures. Ah, il y a un ranking chaque semaine, c'est cool ça. D'accord, donc il y en a 3 chaque semaine, apparemment, c'est ça l'idée. Alors j'attends cela, du coup j'ai vu un autre une chanson d'années 80. Non, pas spécialement. Donc là j'ai tenté le mode en ligne, parce qu'en fait j'ai vu qu'il y avait du solo en ligne. Et en fait en gros ça marque, ça m'a mis une réservation. Alors je sais pas comment ça marche. Je sais pas trop si on affronte le fantôme d'un joueur ou. En tout cas, c'est cool ça. Après, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé contre la montre, alors que c'est plus une sorte de défi quotidien, enfin, un défi hebdomadaire, quoi. Damien Dardy, il campe le haut du classement, quoi. Minardi, le mec là, MS Nico Minardi, c'est un mec qui crée pas le contenu sur ce jeu. Il a vachement travaillé pour la promotion du jeu. Ah, j'aurais pu custer mon perso, en fait, au lieu d'attendre. Alors, ça donnait quoi? Match prêt. Multi.
Ah, je pouvais voter pour ce que je voulais en fait, ça. Ah, voter pour votre événement préféré. D'accord. Tiens, on va mettre Maple Ridge. Ok, 9 joueurs prêts sur 12. Non, il crée pas des maps, mais il fait du contenu, il fait des vidéos, des présentations, des trucs comme ça, quoi. Je crois qu'il essaie d'organiser du tournoi également, enfin, il essaie de faire vivre un peu le jeu, quoi. Alors, Super Light Trophy, ok. Comme ça. Mec, il est sélectionné quoi, il n'y a pas besoin de 50 secondes pour faire une couleur quand même. Ouais, ça se fait pas mal ça, les systèmes de vote. Enfin, maintenant dans les cartes, ça aussi, dans beaucoup de jeux en fait, beaucoup de jeux de course. De qualification, un tour. Et du coup, le jeu il est gratuit pendant le week-end là. Donc c'est Circuit Superstar. Hein. Et vous pouvez le télécharger gratos ce week-end du 27 au 29. Merde, voilà. Enfin, j'ai cru que j'allais m'éclater dans la. Bon, je peux être terrible 30 secondes, du coup je termine combien? Onzième avec 30. Ah oui. Okay. Ils m'ont tous éclaté. Bon, faut dire que je fais une bonne sortie. Et donc là du coup il y a la vraie course maintenant alors. Donc le truc avant c'était juste pour le placement, donc là j'ai dû partir dernier malheureusement. Ah ouais, ah mais ça se bagarre en fait. Hein. Ah mais j'ai des points de vie en bas à gauche aussi. Ça, moi je garde des places. Mais elle a plus de que moi la bleue.
Ouah, qu'est-ce qui... Hein, quoi? Pourquoi? Mais c'est quoi ça? Pourquoi elle a glissé comme ça, la voiture? J'ai pas trop compris pourquoi... Ah, je suis un peu blasé, là. Ouais, ça a bien géré les collisions, ouais. Par contre, j'ai pas compris pourquoi j'ai ma voiture qui est partie vraiment en toupie. Alors certes, j'ai touché un peu l'air à la terre, mais quand même, quoi. Non, la physique du jeu, elle est bonne, hein, vraiment. Et je pense clairement que plus tu joues et plus tu progresses, quoi. C'est une très bonne courbe de progression. Ouais, j'ai peut-être trop accéléré, ouais, j'ai peut-être accéléré trop fort sur la terre. Ouais. Oh la vache, putain, les autres ils sont loin. Hein. En plus, faut que je fasse gaffe, c'est vu que j'ai tapé un. Vu que j'ai tapé un truc du décor là, j'ai pris une pénalité donc. Par contre, dans le jeu, t'as pas intérêt à rater ta round de qualif parce que tu pourras être tellement loin quand t'es dernier, quoi. Là, je remonte peu à peu, mais... Ah. Les mecs que j'affronte, c'est pas des peintres, hein, quand même. Ils savent ce qu'ils font, quoi. Oh non! Quel con! Et le Taz. Oui, j'ai pris une pénalité parce que j'ai tapé un bitos rouge et blanc. Là. Faut pas les taper ceux-là. Je fais comment pour arrêter? Je peux pas arrêter? Faire ça, mais je vois pas. Option, j'ai quoi annuler? Je vais déjà une carte. Ah, pour l'instant, je suis pas vraiment une superstar. Hein. J'en chie. Débrayable, quand tu pars là.
Ah, Dactia, ouais. Oui. Les options, tu peux régler le son, la musique. Voilà, comme ça, speed. Ah ouais, c'est... Ouais, ok. Ah, par contre, c'est la même piste. C'est la même piste, mais par contre, niveau mes habitudes, ça n'a rien à voir. Mais en fait, je crois qu'elles ont vachement de grip. Je crois que je peux... Je crois que tant que t'accélères, ça tient le parquet en fait. En fait, je pourrais bourrer vachement plus, je pense, avec la Formule 1 là. J'ai l'impression que tant que t'accélères, elle bouge pas trop. Bon, déjà, je suis 6ème, c'est mieux que tout à l'heure. Bon, même si le premier me met une seconde, mais. Et pour moi du coup 17 tours. Ah ouais. Ah et du coup là faut gérer les pneus, l'essence et tout quoi, ok. Ouais mais 17 tours. Ouf. Petit côté Destruction Derby avec des Formule 1 qui est... Alors je pense que quand on passe au stand... L'essence et les pneus, c'est réparé, mais par contre, les points de vie de la voiture, je sais pas trop si ça... La petite attaque, là, mais... Ça frotte, ouais, ça a à peine touché. Honnêtement, un petit coup de polish et on y verra que du feu, quoi. Pour la mettre sur le bon coin en état neuf, quoi. On sent que c'est pas leur voiture, on sent que c'est le jeu vidéo. Mais je m'attendais pas à ce que le niveau soit aussi bon, parce que là les gens ils sont... Ils rigolent pas bien en fait. Oh non! Peine touchée. Mais je pense qu'on peut s'attaquer avec la Formule 1 en fait, parce que là... Ah, les mecs sont au stand là. Je suis quatrième, mais bon, il y a les mecs qui. Il y a les premiers qui sont arrêtés, donc forcément. Ah,
Ah mais le mec il a pas la même voiture, c'est pas possible. Blague mise à part, même en ligne droite, il va plus vite. Mince, alors ça marche comment? Bah où là? Faut que j'aille où? Ah là. La triche, évidemment. Le premier lui je crois. Après le truc c'est qu'il est en train d'avancer sur moi maintenant mais... Ah bah oui non mais là aussi On fait comment pour se barrer hein. Ah j'étais ok. En vintage. Attends, pas maintenant, pas par maintenant. Garage. Alors le casque, j'ai S, Legacy, classique. Enfin, Legacy. C'est cool de pouvoir tout customiser comme ça. Et du coup, tu vois, quand je fais en ligne, ouais, soit je peux faire solo en ligne, et du coup, ça fait, voilà, rejoindre un salon, rejoindre des groupes d'amis pour jouer en ligne ensemble. Ah ouais, du coup, il faut que je crée un salon, ok. Ah, tu sais, il faut que je le code, sinon je peux créer un... Bon, moi, je peux créer un salon.
Mais du coup, si je les crée, je peux faire quoi? Ok, on peut mettre des... Ouais. On peut mettre des pistes qu'on veut. Ah, ça, c'est pas mal. C'est par exemple collision, pas de collision avec tour d'avance. Ça, c'est bien, les trucs là. Ça peut être plein de collisions, pas de collisions. Du coup, c'est cool, les gens qui ont tour d'avance, du coup, tu peux pas les bloquer. Aspiration, handicap, user de pneus, dégâts adversaires, dégâts environnement. Ok. Ah, j'ai envie de tester les muscle cars. Donc voilà, donc là, il y a toutes les voitures qu'il y a. Hein. Donc il y a la Pictino, Superlight, Touring Car, Euro Truck, GP60, Missile Car, Monster Truck, GT50, GT80, GT Supercap, Rallycross, Prototype, Formule GP, Stock Car. Je vais faire un petit coup de Missile Car. Je vais me tenter en pro pour l'instant, amateur et pro. Ouais. Pour amateur, c'est bien passé. Yo Easy. ce petit emote, tortue géniale est incroyable. Oh merde. C'est pas moi, c'est les gens, ils m'ont poussé. Ah, en tout cas, pro amateur, hein. Enfin semi-pro, du coup, ça bagarre vachement plus. Hein. Ah, bah là. Gratuite sur la chape de mon pote. Putain, j'ai pensé à toi, Easy, j'ai relancé un peu. J'ai relancé un petit peu Rocket League ces derniers temps. Ah non, mais là, je suis non. J'ai fait le plein du coup. En fait, j'ai testé Rallycross, c'est rigolo. En fait, j'ai resté en semi-pro parce que... Oh, trop bien. C'est la bonne couleur, impeccable, on est bon. Hein. Ah, parce que du coup, j'ai metté un peu les RLCS là, et ça m'a chauffé. Je veux comme ça inviter, hein, mais... ça fait plaisir. Hein. Oh, comme ça glisse sur la terre. Ah, c'est clair que la couleur là. D'ailleurs, le jeu, hein, tu peux customiser toutes les couleurs et tout, hein, les livrets. Et basiquement, si je m'étais embêté à. Oh mince! Si je m'étais embêté à. À la custo, elle aurait été de la couleur là. Hein. Je suis troisième, je sais pas rien. Ouais, il est sympa le jeu. Et comme je disais, il est gratuit ce week-end. Hein. Et je suis con.
Ça fait une heure. En tout cas, ouais, il est bien sympa le jeu. Et après, ouais, la prise en main elle est facile, mais honnêtement, pour être bon sur ce type de jeu, bah, il faut y jouer à fond parce que chaque voiture a vraiment une physique particulière. Enfin, chaque voiture, chaque surface, donc. Enfin, c'est quand ça allait mieux à la fin. Là, alors, viens m'expliquer, moi. On a fait du trek en RPG aussi hier, c'était bien cool. La map elle était trop classe quoi, c'était une map portale, elle était vraiment. En plus, c'est sympa, il y a le mapper qui est passé. Discuter vite fait. Ça glisse la terre. Non. Oh là là, oh là là, oh là là. Bonjour, elle est où la piste? Par là, c'est ça. Et j'ai raté le petit pont. Ok, donc il y a un match dans 3 minutes. Non, non, stop. Alors, par contre, tu vas pas commencer là. On va customiser un peu toute la voiture. Sachant qu'il a déjà joué un petit peu Paul aussi. En arrivant au début, Punk Flow il faisait t'amener cette barre. Yo Brodaf, j'aurais dû tester le camion. C'est un petit jeu de course bien cool d'ailleurs. Et en fait, ce que je disais, c'est que là, il est gratuit sur Steam ce week-end. Donc j'en profite pour le tester. C'est en fait, à l'époque, j'ai voulu y jouer. Et mon pros, vu qu'il est trop vieux, il était pas pris en compte. Donc le jeu, il se lançait pas. Il se lançait pas. Et du coup, j'ai fini par me le faire rembourser parce que ça marchait pas. Et là, j'avais vu que quelques mois plus tard, ils avaient enfin corrigé le problème. Et du coup, bah là, ouais, j'avais profité là, que c'était gratuit ce week-end pour le retester. Et j'aime bien, franchement, c'est sympa. Moi, je crois qu'il est à 20€, il est à mon 25, donc il est à 15€ en ce moment. Après, le problème de ce type de jeu, c'est que c'est vraiment basé beaucoup sur le time attack et tout, quoi, parce que. Si tu veux vraiment y jouer beaucoup, faut soit y jouer en multi avec des potes, soit aimer le time attack. C'est un peu valable pour tous les jeux de course, tu me diras quand même. Alors, on va faire quoi? GT Super Cup, 21 tours. Chino Cup, prototype. Ouais, tiens, on va voter pour ça, on verra bien. Bon,
bah, les mecs ont tous voté pour Prototype, a priori. Après, je vais couper dans pas très très longtemps, hein. Enfin, je joue encore 15-20 minutes et puis... En tout cas, vraiment, le jeu, il est cool, la prise en main, elle est bonne. La physique, elle est bien gérée également. Puis il est facile à prendre, mais pour optimiser, c'est vraiment chaud. Quoi. Il y a un mec qui a pas validé, mais ça, c'est comme ça rend fou dans les jeux. 50 secondes pour choisir ta couleur, les mecs ils attendent 50 secondes quand même. Ok, donc là normalement, bien sûr, il y a un tour de qualification, voilà. Un tour de qualif, et suivant le temps qu'on fait, ben on va commencer à une place différente de la... sur la grille de départ. Bon, j'ai encore jamais piloté les voitures là. J'imagine qu'elles doivent aller super vite. Ouah! C'est pas fou en fait. Ouais, si vous coupez en fait une pénalité d'accélération pour un petit moment. Ok, bon, je finis 6ème sur 8, c'est ça? Putain, c'est pas terrible. Ouais, je suis le mec, le premier il me met 4 secondes de tour, quoi. Compliqué. Parce que je disais, les gens sont globalement plutôt chauds sur le jeu, franchement. Ah, j'ai ces 3-4. 3-4 matchs en ligne. Bon, j'espère que vous n'avez pas l'entendre. Bah, je pense que oui, du coup, les gens qui aiment bien le jeu, ils doivent être trop contents, parce que vu que c'est un week-end gratuit, je pense que pour une fois, il doit avoir pas mal de monde sur les serveurs, quoi. Merde. Ce type de jeu, je suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de monde en temps normal, quoi. Oh, j'ai le petit qui est relou, là. J'ai encore envie de jouer, mais je crois que je m'arrêtais là. Mais...
Ouais, franchement, ça va bien se passer. Là. En fait, si ça frappe le micro, après. Ah, moi aussi j'ai installé des blés mortels. Hein. Enfin, je passe ça. Sinon tu passes au stand là, sinon... Stop, 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 c'est bon, allez, go, 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 les gars. Bon, je m'arrête à la fin de ce truc là aussi. Pas mal là même. Après je pense qu'il y en a qui sont pas encore arrêtés. Là. Et j'espère qu'on t'arrête pas les petits pleurer là. Il a touché le petit biteux, ça rentre. Allez, mets la pression. Hein. On passait quand, bon. Hein. Merde, oh putain. Je crois que c'était là qu'il y avait le virage. Le gros virage droite. Oula, je crois qu'il a paniqué, allez. La deuxième, c'est trop cool. Allez, on y croit.
Ah merde, il reste encore un tour. Ouah, putain. Là, je crois que c'est bon. Je crois que c'était deuxième. J'étais trop content. Micro. Je crois que les autres derrière, en plus, je me demande s'ils ont. S'ils se sont pas fait avoir parce qu'ils avaient plus de. Parce qu'ils avaient plus d'essence, quoi. Yes, deuxième. Mais pourquoi j'ai. Yeah, deuxième. Bon allez, par contre moi je vais m'arrêter là, vu qu'il y a l'optique qui est un peu relou. Bon en tout cas, Circuit Superstar, bien cool. Content de l'avoir testé quoi. Après je sais pas si je le prendrai parce que, comme je disais, je sais pas si j'aurais vraiment trop le temps de jouer... Ah tiens, un nouveau motif. Je sais pas si j'aurais trop le temps de jouer hors stream, etc. Et puis voilà, c'est vachement basé quand même sur le time attack et tout. Mais franchement, bien cool quoi, comme petit jeu de voiture. Ça le fait carrément quoi. Ce soir, du Golf with Your Friends. Donc si vous avez le jeu, n'hésitez pas à venir en hein, soirée multi vers 21h30 normalement. Mais sur le podium, ça ouais, tu l'avais annoncé, Tcherno. Merci à toi. Et du coup, ce soir, il y a Golf with Your Friends. Donc si jamais vous avez le jeu, n'hésitez pas. Super marrant à jouer. Alors, on sera, je sais pas, on serait peut-être 6-7, un truc comme ça. Donc voilà. Allez, du coup, des bisous, à tout à l'heure.